Bonjour et bienvenue à tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui et connectés en distanciel. Donc je suis Marie-Faëlla et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous accueillir pour une session 100% dédiée au sujet LinkedIn qu'on va traiter de A à Z avec mes camarades qui sont avec moi aujourd'hui et qui sont là à mes côtés, hein, que vous allez avoir l'occasion de voir et d'écouter tout à l'heure. Donc j'ai à mes côtés Élodie Drapier, chef de projet Social Media et Digital, et Mohamed Komaya. Bonjour. Qui est spécialiste des logiques paid et qui vont vous partager avec vous toute leur expertise. Donc aujourd'hui, vous êtes en direct de l'agence Epoca Areci et plus spécifiquement des studios Victoire. Alors l'agence, c'est une agence spécialiste des logiques de communication corporate, RH et B2B. Et on a la capacité, avec toutes les expertises qu'on a su rassembler au sein de l'agence, d'accompagner toutes les logiques de communication de nos clients. Donc vous voyez la liste ici, stratégique, planning, les logiques d'identité, de marque et culture, publicitaire également, les logiques de contenu et d'activité sur les réseaux sociaux qui nous occupent tout particulièrement avec Élodie, mais aussi tout ce qui est influence, relations presse et enfin tout ce que vous pouvez imaginer dans le cadre d'une agence de communication. Donc Epoca, c'est plus de 350 clients actifs et 200 collaborateurs situés ici, à côté de Place des Victoires, dans le centre de Paris. Et puis c'est aussi de nombreux prix et de nombreuses victoires dont vous pouvez voir quelques-uns ici et dont nous sommes très fiers puisque voilà, ça récompense notre engagement au quotidien. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter assez rapidement le sommaire de cette édition. Donc première grande partie de notre intervention, on va plonger dans l'algorithme avec Élodie qui va vous partager quelques insights sur comment est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce qui marche peut-être moins bien actuellement. Donc on va vous partager toutes ces bonnes pratiques-là. Sur un second temps d'intervention, moi j'aurai l'occasion de vous parler des logiques d'advocacy qui sont très en vogue et vraiment très importantes pour performer à l'heure actuelle. Et je partagerai avec vous les bonnes pratiques pour pouvoir fédérer autour de votre marque un écosystème d'interlocuteurs alliés pour gagner en visibilité. Et Mohamed clôturera la session avec tous les partages autour des best practices paid. Voilà. Bon, sans plus attendre, Élodie, je vais te laisser la main pour cette première partie. Merci Marie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous propose de commencer avec une plongée dans l'algorithme de LinkedIn. Donc aujourd'hui, lorsque vous publiez un contenu sur LinkedIn, l'algorithme va procéder par trois étapes pour traiter votre contenu et le diffuser donc à l'audience la plus adaptée. La première étape, ça va être une étape d'évaluation du contenu. Donc l'algorithme va juger votre contenu sur différents critères et classer votre contenu soit dans la catégorie haute valeur ajoutée, soit dans la catégorie basse valeur ajoutée, ou alors carrément dans une catégorie qui s'appelle spam. Une fois cette étape faite, votre contenu va être proposé à un groupe test de personnes pendant une durée approximative d'une heure et demie. Et donc, à la fin de cette heure et demie d'évaluation, en fonction du nombre d'engagements obtenus par votre contenu, du temps de lecture moyen sur le post, qu'on appelle aussi dwell time, ou encore du nombre de clics générés par votre contenu, donc vos utilisateurs qui vont cliquer sur une photo, cliquer sur le petit voir plus lorsque votre post à une durée suffisante, à une longueur suffisante, pardon. À l'issue de ça, donc, on va passer dans une étape d'élargissement de l'audience où votre contenu va être proposé donc à plus de personnes en fonction des résultats et en accord du coup avec les centres d'intérêt de votre audience, mais aussi donc la proximité de votre audience avec vous en tant qu'émetteur. Je vous propose maintenant de voir quelles sont les étapes à cocher pour que votre contenu soit placé en haute qualité. Vous avez donc un exemple de post ici. Donc il faut, première chose, c'est très important que votre contenu soit facilement lisible. J'entends par là un contenu qui est aéré, avec des phrases suffisamment courtes, avec un nombre d'emojis qui est adapté. Ça veut dire lorsque vous avez 5 ou 6 emojis à la suite sur votre post, c'est quelque chose à éviter parce que ce n'est pas facilement lisible et n'est pas facilement lisible. Vous pouvez aussi avoir un contenu qui va encourager l'engagement de vos utilisateurs. Ici, sur le post, donc, vous avez par exemple un contenu qui s'appelle Doc, donc en fait, où vous pouvez passer plusieurs slides vers la droite, et donc ce n'est pas une image fixe. Ça, c'est un contenu qui est valorisé par l'algorithme parce qu'il génère donc des clics, et du coup, c'est un contenu qui est très intéressant pour justement être placé comme un contenu à forte valeur ajoutée.
Ensuite, un autre point qui est important, c'est que votre post ne contienne pas de lien sortant. En effet, si vous redirigez votre audience vers un site hors de LinkedIn, eh bien, c'est assez logique que LinkedIn décide de ne pas forcément pousser votre contenu parce que ça va, vos internautes vont quitter la plateforme. Et enfin, donc, le troisième point, c'est d'avoir un nombre de hashtags, idéalement entre 3 et 5. Ça peut être un nombre inférieur, comme ici, le plus important pour les hashtags, c'est qu'ils soient pertinents. Ensuite, je vous propose de vous intéresser aux contenus donc, qui sont jugés de faible qualité. Donc l'une des premières étapes qui fait que votre contenu va être jugé de faible qualité, c'est que c'est un contenu qui va générer peu d'engagement. Les internautes vont avoir tendance à le scroller sans soit s'arrêter pour y passer du temps, soit sans y laisser de like ou de commentaires. Ensuite, c'est possible aussi lorsque votre contenu est trop long ou difficile à lire. Je l'ai dit précédemment, donc c'est très important d'avoir un contenu qui est aéré avec des phrases qui sont courtes, mais à l'inverse, quand vous avez des gros blocs de texte, c'est quelque chose donc, qui constitue un frein à la fois à la lecture et donc un frein pour l'algorithme. Enfin, votre contenu peut contenir trop de hashtags. Quand on voit parfois certains contenus avec une quinzaine ou une vingtaine de hashtags, dont certains ne sont pas forcément pertinents, c'est un comportement qui en fait dévalorise votre contenu aux yeux de l'algorithme. Et enfin, donc, un ou plusieurs liens sortants qui vont du coup rediriger les internautes hors de LinkedIn. On passe ensuite du coup à la troisième catégorie, donc la catégorie spam. Il faut savoir que lorsque vos contenus est qualifié comme un spam, souvent il n'est montré à strictement personne et il tombe rapidement aux oubliettes de LinkedIn. Comment est-ce que mon contenu peut se retrouver du coup dans cette catégorie? Donc le premier point, ça va être que vous allez avoir une grammaire approximative. Vous le voyez sur l'exemple 6 juin, où vous avez du coup une phrase qui n'a aucune ponctuation. Ce qui rend du coup la lecture difficile et ce qui pour l'algorithme fait penser à un spam. Vous allez ensuite avoir la possibilité, notamment lorsque vous avez plusieurs liens qui sont intégrés dans votre contenu, l'algorithme peut le juger comme un spam. Également les hashtags inutiles, si je puis dire, par exemple le hashtag comment, qui n'a que très peu d'intérêt et souvent donc de nombreux hashtags de ce type ont tendance à placer votre contenu dans les spams. Et enfin, un dernier point, lorsque vous publiez de façon trop fréquente sur une période habituée. Donc on recommande souvent de ne pas dépasser 2 contenus par jour. Si vous allez par exemple publier 5 contenus tous les jours, l'algorithme va vous juger comme un spam. Et donc votre contenu va se retrouver dans cette catégorie et personne ne va le voir. Ensuite, un autre point qui est important, c'est du coup d'utiliser des formats qui sont appréciés par l'algorithme. Vous avez donc ici à l'écran les formats qui sont le plus valorisés par l'algorithme en ce moment, donc notamment le document PDF, le sondage, le carrousel ou encore les textes et photos. A l'inverse, on observe que les vidéos, les liens avec des posts, les liens externes, les newsletters ou encore les articles sont des contenus qui sont moins mis en avant par l'algorithme. Cependant, ce classement est quand même à prendre avec des pincettes parce qu'on a certains formats de vidéos courtes qui fonctionnent extrêmement bien sur la plateforme et dont il serait idiot de se priver. Enfin, le dernier mot d'ordre pour les formats, ça va être la variété. Votre audience, ce ne sont pas donc, du coup, des ordinateurs, ce sont des êtres humains et souvent, lorsque vous allez répéter un type de format, au bout d'un moment, ça va provoquer une habitude puis une lassitude. C'est pourquoi variez vos formats, un jour un sondage, le lendemain une vidéo, le jour d'après un document PDF, ça va vous permettre à la fois de stimuler votre audience, mais aussi de rester stimulé auprès de l'algorithme et d'avoir son attention. Et donc potentiellement vos contenus qui sont encore plus mis en avant. Sur cette slide, du coup, vous revoyez donc des exemples de contenus donc pour bien comprendre à quoi cela consiste. Donc de gauche à droite, le document post, le sondage, le carrousel et enfin l'album photo. Ce qui fonctionne toujours très bien, donc finalement, quel rythme de publication adopter sur LinkedIn? Donc on va conseiller généralement entre 1 et 3 posts par semaine. Cependant, si votre activité vous le permet, vous pouvez tout à fait poster tous les jours, mais la règle à respecter, c'est d'avoir à minima 18 heures d'écart entre chaque contenu. Le meilleur moment pour publier dans la journée, donc de façon générale, on a tendance à dire que c'est le matin, entre 8 et 11 heures,
Cependant, chaque audience va avoir ses spécificités et donc c'est tout à fait possible pour vous que le meilleur moment pour publier, pour atteindre votre audience, ce soit 14 ou 17 heures. Là aussi, on va vous recommander de faire des tests et du coup, à l'issue de ces tests, du coup, de pouvoir adapter vos horaires de publication. C'est aussi possible que, par exemple, vous ayez des thématiques de contenu qui fonctionnent mieux en étant postées à 17 heures et d'autres qui fonctionnent mieux le matin à 9 ou à 10 heures. Donc, nos conseils également pour performer, ça va être le premier, c'est de répondre aux personnes qui commandent vos posts. Donc ça, pour générer de l'engagement, c'est quelque chose qui est intéressant de faire. Veillez à avoir un délai de réponse assez rapide lorsque c'est possible, c'est-à-dire moins de 12 heures. Attention toutefois à ne pas être la première personne qui commande votre post. Ça a été une habitude pendant un moment pour plusieurs comptes où, par exemple, vous écrivez votre post et ensuite vous rajoutez un commentaire directement après le post pour ajouter des informations supplémentaires, mettre un lien de redirection, etc. Ces pratiques aujourd'hui ne fonctionnent plus et en fait ont même tendance à faire reculer la visibilité de votre post. Ensuite, ne mentionnez pas plus de 15 comptes par post. Ça peut vous sembler être un nombre qui est élevé, mais par exemple, lorsque vous allez travailler en collaboration avec d'autres entreprises, par exemple, que ce soit pour un événement ou un livre blanc, on peut parfois facilement dépasser ce nombre. C'est pourquoi il est important de faire attention de façon globale à respecter ce nombre de mentions à ne pas dépasser. Je me permets, Elodie, de compléter. En fait, ce qui est important sur ce point-là, c'est bon, bien sûr le nombre de comptes par poste à mentionner, mais c'est surtout essayer de mentionner des comptes et des personnes que vous savez qui vont rebondir finalement sur votre contenu. Ça ne sert à rien de taguer la terre entière si derrière ça ne génère pas d'engagement. Donc c'est surtout ça en fait. L'idée c'est d'essayer de mentionner un maximum des comptes qualifiés qui vont rentrer en interaction avec votre contenu. Merci Marie. Je t'en prie. Donc un autre conseil c'est de ne pas utiliser plus de 10 emojis différents par contenu. Parce que là c'est au niveau de l'algorithme, au niveau de la machine, ça va donner trop d'informations et votre contenu peut basculer dans les spams parce qu'il n'arrivera pas à traiter l'information dans le délai qui lui est accordé pour traiter chaque contenu. Ensuite, il y a la longueur optimale de vos posts LinkedIn. Généralement, c'est une moyenne qui se situe entre 1200 et 1600 caractères, donc ça vous donne quand même des posts qui sont assez longs. Mmh. Encore une fois, pour des soucis de variété, n'hésitez pas à faire des tests et à varier les longueurs de vos contenus. Toujours pareil, pour garder à la fois l'attention de votre audience, mais aussi celle de l'algorithme. Pardon, une question, parce que je suis arrivé en retard. Là, vous parlez de posts de nous en tant que personne ou de posts, parce que moi, je gère une page d'entreprise. Pour les deux, monsieur. Principalement pour les pages, mais aussi pour vous, c'est des règles qui peuvent s'observer sur vos comptes. Parce qu'après, si on veut sponsoriser le poste, on nous conseille de faire hyper moins que 1200. Alors là, on est vraiment sur des logiques de bonnes pratiques organiques. Oui. Les logiques de paid, on les verra tout à l'heure avec Mohamed. Paid, on ne peut pas taguer. Ouais. Et paid, on ne peut pas taguer. Donc, toute façon... Ni utiliser des hashtags. Ouais, ni les hashtags. Et enfin, donc, une dernière règle que... il est parfois un petit peu difficile de respecter, c'est de ne pas modifier votre post dans les 10 minutes, parce que ça va du coup freiner la visibilité. Alors, on l'a tous déjà fait, on met en ligne son post, puis on le relit, et là on se rend compte qu'on a oublié un point, une virgule, et du coup on va modifier le post pour corriger ce qu'on a oublié. Sauf qu'en fait, cette pratique de correction dans les 10 minutes qui suivent a tendance à freiner la visibilité de votre contenu. Donc, mon conseil, ça va être vraiment de laisser ces 10 minutes et de modifier votre post ensuite. Enfin, il y a une nouveauté du coup qui est en train d'être déployée sur LinkedIn. Peut-être que vous avez déjà croisé certains de ces contenus, mais c'est l'algorithme de suggestion. Donc l'algorithme de suggestion, on le connaît très bien, notamment sur TikTok ou encore sur Facebook. Il vous permet en tant qu'internaute de voir des contenus de personnes qui ne font pas partie de votre réseau, qui sont donc suggérés par l'algorithme parce que vous avez interagi avec des posts du même thème, ou parce que vous avez montré un type d'intérêt pour des acteurs spécifiques. Et qui ne font pas non plus partie forcément du réseau de votre réseau. C'est ça qui est important aussi et qui est différent. Donc cette fonctionnalité est en cours de déploiement et on a notre client ABB qui a sans doute été poussé donc, par cet algorithme. Je m'explique. ABB donc, avait souhaité partager sa participation à un événement, donc on avait créé un post spécifique. Et ce post était ciblé uniquement donc pour la communauté francophone de la page, qui contient environ entre 50 et 100 000 personnes.
Et lorsqu'on a consulté les stats en fin de mois, on s'est rendu compte que ce post avait généré plus de 150 000 impressions. Donc, étant donné que l'audience qui pouvait être adressée était inférieure, on s'est dit, la logique la plus probable qu'on puisse justifier donc, un aussi grand nombre d'impressions, c'est que notre contenu ait été poussé par cet algorithme en cours de déploiement. Et donc avec de très bons résultats, parce qu'on a généré plus de 1600 interactions et plus de 1800 clics. Ce qui est intéressant aussi sur cet exemple-là, c'est que finalement, un post qui a été écrit en français, adressé à une audience française, a été poussé à l'international. Et ça démontre de plus en plus, et on l'a vu avec Elodie hein, sur certains autres sujets, que la notion de traduction automatique par la plateforme permet de plus en plus un rayonnement international de certains posts, même s'ils sont écrits dans une langue qui n'est pas comprise par la totalité de votre audience. Et donc ça, c'est vrai que c'est un usage qui se multiplie de plus en plus et qui a tendance à booster certaines performances actuellement. C'est ça, c'est quelque chose qui se démocratise. Et en plus, ça remet un petit peu en question les logiques de... ciblage qu'on pouvait avoir jusqu'à maintenant de limiter un contenu en français en fait au pays France, alors que finalement bah, votre internaute qui est au Royaume-Uni, s'il voit votre contenu en français, bah, potentiellement il va automatiquement être traduit pour lui, et selon les contenus, ça peut être des contenus donc qui sont intéressants pour une audience internationale. J'ai vu une main levée. J'ai une question par rapport aux langues. Est-ce que la pratique d'écrire en deux langues elle est mal vue, alors le poste en anglais et plus bas, et on fait vraiment le texte en deux langues dans le même poste. D'accord. Je vais répéter la question pour ceux qui sont connectés à distance, que je ne suis pas sûre qu'ils vous ont tous bien entendu. En fait, on a une question dans l'audience qui nous interrogeait sur le fait d'écrire un poste en deux langues et pour savoir si c'était vraiment une technique qui était performante. Nous, ce qu'on recommande et ce qu'on voit effectivement de l'évolution de l'algorithme LinkedIn, c'est que finalement, c'est plus forcément nécessaire de le faire. Bon, après, quand c'est une langue qui est peut-être pas trop déployée, qu'on va, on vous demande toujours d'essayer de privilégier l'anglais si vous êtes sur un scope international qui va mobiliser beaucoup de nationalités. Mais le côté un peu bilingue maintenant, vu ces notions de traduction automatique qui sont très facilement accessibles et très facilement utilisées, est plus forcément intéressante. Après, comme le disait Elodie, on est sur des métiers qui nécessitent toujours qu'on teste pour voir ce qui fonctionne. Parce que souvent, en fonction des audiences, ça va marcher pour vous, ça ne va pas marcher pour une autre entreprise. Donc essayez de faire des tests, voyez en deux langues, voyez en une langue en utilisant la traduction automatique. Et puis voilà, regardez ce qui fonctionne le mieux. La traduction automatique, c'est l'utilisateur qui applique. Oui. Non, vous ne faites rien en fait, vous écrivez votre post dans la langue que vous souhaitez, et puis c'est proposé à l'utilisateur par LinkedIn, effectivement. Vous en prie. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à Marie qui va vous parler de l'advocacy. Absolument, merci. Les chaises musicales. Donc aujourd'hui, moi, je souhaitais faire un focus avec vous sur les logiques d'advocacy parce qu'on sait que voilà, c'est primordial maintenant pour booster le conversationnel, booster les conversations. Et comme vous l'a montré Elodie, hein, c'est un critère qui est particulièrement remarqué et valorisé par l'algorithme LinkedIn pour percer. Donc en fait, maintenant, c'est le commentaire hein, qui est un peu l'interaction qui va générer le plus de points. Et en fait, plus votre contenu va déclencher derrière des conversations, plus vous allez être valorisé. Et même ce qu'on observe, c'est que finalement, le poids du corps du contenu, si je peux le dire ainsi, se déporte de plus en plus des commentaires et des discussions générées que vers le post en fait qui a été posté de prime abord. Donc l'advocacy, hein, parce que bon, je parle dans mon jargon et j'ai l'impression que c'est intelligible par tout le monde, mais c'est comment est-ce que finalement on va activer dans son écosystème des collaborateurs, des partenaires, pour être des ambassadeurs du savoir-faire dans mon entreprise et répondre à différentes notions, hein, notamment des notions de valorisation en termes de notoriété ou de génération de business. Donc ça va répondre à pas mal de choses. Donc pourquoi aussi est-ce que c'est intéressant, hein, au-delà de ce qu'on vous a partagé sur ce que va regarder l'algorithme LinkedIn, c'est que finalement, activer différents interlocuteurs pour donner confiance en l'entreprise et en son expertise, c'est quelque chose qui va fonctionner.
Donc là, on vous a mis une capture d'écran d'une étude qu'on réalise tous les ans hein, sur la crédibilité des entreprises en matière de communication. Donc là, c'est l'édition 2023. Et ce qu'on observe, hein, vous voyez, c'est que les clients de l'entreprise, les collaborateurs de l'entreprise, les partenaires associatifs vont disposer d'une confiance très élevée quand ils vont prendre la parole au sujet de l'entreprise ou de certaines de ses compétences et de ses activités. Vous avez également une confiance qui va être intéressante sur les experts de l'entreprise, sur les directions, donc à la fois la direction générale, mais aussi tout le comité exécutif, qui vont être finalement des profils assez intéressants à activer pour sortir simplement des logiques où vous allez communiquer à travers le canal officiel de votre entreprise. Finalement, en activant ces différents collaborateurs, vous allez générer plus de confiance et derrière, en fait, souvent, ce sont des interlocuteurs qui vont rentrer en conversation les uns avec les autres et c'est là où ça va être intéressant par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Donc nous, les profils hein, qu'on vous propose d'activer et ceux qu'on a l'habitude d'activer hein, chez nos clients, c'est un petit peu le panel suivant. Premièrement, les dirigeants d'entreprise. Pourquoi ? Donc parce qu'ils font autorité et aussi ils permettent hein, de gagner en visibilité, de gagner en crédibilité, de mobiliser aussi, puisqu'ils embarquent avec eux à la fois hein, des pairs, donc ils vont être d'un niveau stratégique intéressant, mais aussi derrière tout l'interne. Et donc ils vont renforcer aussi la fierté d'appartenance, et donc ça va être intéressant. Et donc là, ils vont répondre vraiment à des objectifs de réputation. Vous avez les experts métiers et les experts fonctionnels. Donc là, ils vont vraiment contribuer à valoriser le savoir-faire de l'entreprise, son expertise. Et donc, ils vont amener de la crédibilité, de la viralité, de l'engagement. Donc là, on n'est plus sur un objectif de crédibilité. Sur l'objectif d'immersion, on va pouvoir activer les collaborateurs. Donc là, c'est à tous les niveaux de l'entreprise. Bah, tout à chacun, on peut être hein, ambassadeur de son entreprise sur LinkedIn. Le partager, par exemple, moi, tout à l'heure, je vais faire un post pour valoriser le fait que j'ai animé cet atelier avec mes camarades, puisque, bon, au-delà de mon personal branding, ça permet aussi de valoriser le savoir-faire d'Epoca et d'Areci. Et donc, ces collaborateurs, ils ont aussi un potentiel intéressant puisque ce sont des insiders, donc ils vont communiquer avec une authenticité, une proximité qu'on ne se permet pas forcément quand on communique à travers les canaux de l'entreprise et qui ont tendance à générer plus d'engagement derrière. Et donc ça, c'est pareil, ça va nous intéresser. Sur la partie plus commerciale, notamment dans des logiques B2B, hein, on a tout à fait aussi l'opportunité d'activer son équipe sales pour que véritablement elle utilise LinkedIn comme un canal pour générer du business. Et donc même si LinkedIn hein, se positionne de plus en plus comme un média hein, sur les sujets corporate, économiques et même de plus en plus sur les notions de RSE, c'est tout de même un très gros levier pour générer du business derrière, à la fois sur un volet organique, mais aussi sur un volet paid, hein, comme on le verra tout à l'heure. Et puis, on va dire la dernière catégorie de personnes, d'interlocuteurs qui, en plus, sont les plus intéressantes à activer en termes de prescription, ce sont les partenaires. Et donc, par partenaire, on peut entendre à la fois des prestataires, on peut entendre des clients, on peut entendre des partenaires associatifs et des ONG. Donc, c'est tous les typologies de profils qu'on a mentionnées tout à l'heure et qui vraiment contribue à générer beaucoup de crédibilité et d'engagement, puisque en plus on a la notion de un partenaire extérieur qui va parler l'entreprise et qui va la mettre en visibilité. Et donc là on est véritablement sur une logique de prescription qui va être intéressante. Et puis aussi, dans des logiques hein, vraiment très business, hein, ce que je voulais vous partager, c'est que finalement, à différents niveaux du funnel de conversion hein, qu'on connaît tous très bien, il va être intéressant d'activer certains profils puisqu'ils vont répondre à certaines étapes hein, de ce parcours finalement vers l'achat ou vers la prise de contact et derrière un lead intéressant. Donc sur l'aspect découverte, c'est là que vous allez pouvoir activer les profils dirigeants et les experts métiers puisqu'ils vont permettre de gagner en visibilité, en influence et ils vont permettre voilà, de toucher un maximum de personnes. Sur les leviers qui viennent ensuite hein, sur ce funnel, sur l'intérêt et la considération, on va réactiver derrière les experts métiers, on va réactiver les clients, les partenaires, les collaborateurs, puisqu'ils sont dans un step supplémentaire en termes de discours pour immerger dans l'expertise. Et ils donnent des gages concrets finalement de cette expertise et ils permettent d'aller plus loin sur les notions de considération. Et derrière, sur les notions d'évaluation, d'achat, qui sont les dernières étapes vers un lead, un achat ou une prise de contact,
là, on active les forces commerciales. C'est elles qui vont prendre le relais derrière pour pouvoir identifier quels sont les interlocuteurs qui ont été intéressés par le contenu et derrière, peut-être rentrer en contact avec elles ou en public ou en privé via leur DM. Donc, si je retourne sur un focus sur les différents profils, sur les dirigeants d'entreprise, voilà à peu près les sujets. Hein, donc, on vous a mis quelques exemples qui fonctionnent le mieux et qui font partie un peu des thématiques incontournables hein, d'une prise de parole sur ces différents profils. Premièrement, vous allez avoir l'incarnation des réussites. Quand je suis dirigeant d'une entreprise, c'est très bien que je valorise l'actualité de mon entreprise, la signature d'un contrat, la participation à un événement, tout ça, ça contribue à renforcer aussi la réputation de celle-ci. On va avoir toutes les notions autour de la partage de la vision, ce qu'on appelle le thought leadership. Donc comment est-ce que voilà, je vais partager une vision aiguisée sur l'évolution de mon secteur, sur l'évolution de mon actualité, comment est-ce que je vais donner véritablement un peu de perspective. Et donc ça marche à la fois sur un volet assez économique, sur les notions de gouvernance, etc., mais aussi de plus en plus sur les engagements. Et sur les engagements, je veux évoquer par là hein, tout ce qui est RSE, donc les sujets autour de l'environnement, de la décarbonation, les sujets aussi autour de l'inclusion, la diversité, la parité, c'est vraiment des thématiques qui fonctionnent et performent beaucoup actuellement sur LinkedIn et sur les autres réseaux sociaux. Vous allez aussi avoir la valorisation des équipes. Et là, ce qui va être intéressant, vous le voyez, c'est vraiment de le faire sur un mode un petit peu homemade, un peu insider. Là, vous avez la dirigeante hein, de Orange, vous voyez, qui a pris un selfie avec un de ses collaborateurs et derrière toute l'équipe qui a été mobilisée et qui partage quelques insights hein, qui ont été pris lors d'un événement. Ça contribue à injecter un peu d'authenticité, de proximité et derrière à générer de l'engagement, donc ce qui va être intéressant. Et immersion dans l'expertise à travers la France. Donc, vous voyez là quelques éléments ici qui ont été partagés. Alors, je ne vois pas très bien. Il me semble que c'est le CEO de Legrand. Mais donc, on est sur un... C'est ça. On est sur quelque chose d'intéressant où on va directement à la rencontre de l'expertise dans les usines pour le coup sur cet exemple-là. Donc, très concrètement, comment est-ce que je vais activer les dirigeants de mon entreprise? Quel va être le plan d'action? Nous, l'idée hein, et l'objectif hein, de ce point de vue-là, c'est d'essayer de rentrer dans une logique de régularité et d'activer finalement ce profil hein, qui n'est pas forcément toujours actif, qui est plutôt en veille, et donc essayer de le faire rentrer dans une logique de régularité. Donc étape 1, je réalise un audit et j'établis un positionnement éditorial qui va être intéressant pour lui et peut-être aussi pour le collectif. Étape 2, je vais optimiser son compte. Étape 3, je lance une session de coaching avec lui ou elle hein, pour le booster sur l'influence et sur aussi sa prise en main du sujet social media, du sujet LinkedIn. Et puis derrière, je vais rentrer dans une logique un peu plus fil rouge de proposition de contenu et de coaching régulier pour gagner en influence et aussi gagner en compétences hein, sur ce volet-là. Donc voilà pour la première catégorie de typologie de personnes. Sur les experts métiers, ce qui va être intéressant, ça va être de mobiliser hein, ces profils autour de l'illustration du savoir-faire métier en proximité. Donc là, on a un profil hein, toujours de notre client ABB qui est très actif hein, sur LinkedIn et qui génère beaucoup d'engagement. Pourquoi? Parce qu'il contribue à illustrer très concrètement l'expertise dans un vocable qui va être accessible, pédagogique et qui va derrière engager les audiences. Vous avez aussi quelque chose autour du partage de la vision sur son secteur d'expertise avec d'autres pairs. Donc on rentre dans cette logique un peu d'allié et de communication de pair à pair qui va être aussi intéressant. Et comment aussi, est-ce qu'en tant qu'expert, je peux donner des clés concrètes pour faire progresser les audiences? Et là, on a un profil qui est spécialiste hein, des social media, qui très régulièrement va créer du contenu pour partager quelques insights intéressants auprès de son réseau LinkedIn. Sur les collaborateurs, l'idée, ça va être de les solliciter sur la mise en avant des opportunités métiers et recrutement qui vont être accessibles hein, au sein de votre entreprise. C'est notamment très intéressant actuellement où on est sur un monde du travail et du recrutement qui est très très tendu avec des profils pénuriques hein, où il y a une guerre des talents très forte hein, sur certains profils. Activez vos collaborateurs pour qu'ils témoignent concrètement de ce que c'est en fait de travailler dans votre entreprise. C'est comme ça que derrière vous allez susciter l'envie et la projection. Vous pouvez aussi demander à vos collaborateurs d'amplifier les temps forts sur un mode insider. C'était le cas hein, pour ce profil au sein du groupe CEP qui était, il me semble, la Global Industries.
et donc qui a fait une vidéo hein, pour partager un peu très concrètement ce qui se passait sur le stand. On va retrouver des témoignages face caméra, un peu homemade, mais qui sont très, très authentiques et qui vont aussi créer de la relation finalement avec les audiences. Et puis derrière, aussi sur cette authenticité, comment est-ce qu'au-delà du professionnel que je suis en tant que collaborateur, je partage un peu plus autour de ma personnalité, de mes hobbies, et comment est-ce que derrière, je permets à une audience de se projeter peut-être sur mes métiers ou dans une relation client sur laquelle on souhaite progresser. Le plan d'action pour activer ces profils-là, donc je vous le partage ici. Donc l'idée, hein, c'est véritablement d'accompagner leur montée en compétences pour qu'ils deviennent des créateurs de contenu. On essaye véritablement d'essayer de sortir dans cette logique où tout le monde duplique le même contenu. Ce n'est pas quelque chose qui fonctionne. Puisqu'Élodie vous l'a partagé, hein, ce qui va compter, ce que va regarder LinkedIn, c'est la qualité du contenu. Et si on est sur une logique de copier-coller, on perd des points par rapport à l'algorithme. Donc en fait, on essaye au maximum de donner les clés à ses collaborateurs pour se sentir à l'aise hein, sur la plateforme et créer du contenu à haute valeur ajoutée. Donc comment est-ce que je procède? Étape 1, j'identifie quels sont les profils qui vont être intéressants à activer. Étape 2, je crée les outils finalement pour les mettre en confiance. Donc ça peut être et je leur partage des sessions de coaching, ça peut être des guides, des guidelines, ça peut être quelques exemples de posts pour leur servir de base et ensuite derrière pour qu'ils puissent construire à partir de ça. Et derrière, point très important hein, que nous, on pratique au quotidien puisque voilà, on a l'habitude de monter ces programmes ambassadeurs, c'est animer cette communauté, parce que la lancer c'est bien, mais si derrière il n'y a aucune logique d'animation, en fait c'est quelque chose qui va s'essouffler, et donc il faut véritablement toujours entretenir le lien avec les collaborateurs pour qu'ils se sentent investis de cette mission hein, de partager finalement du contenu. Dernier profil, les commerciaux, donc ils peuvent donner rendez-vous lors des événements clés, ils contribuent aussi également à renforcer la crédibilité de leur expertise en partageant des contenus qui vont être positionnants, donc comme des livres blancs, hein, là c'était l'exemple ici. Et puis après, sur des logiques d'un peu plus de tactique commerciale, ils vont pouvoir identifier et cartographier hein, des contacts cœur de cible. Donc moi typiquement, en tant que spécialiste de la communication et commerciale, je peux aller regarder sur LinkedIn qui est directeur de la communication et aller regarder très précisément quel est le profil qui va interagir le plus avec mes contenus. Et je peux entretenir la relation en public et en DM. Et c'est ce que j'ai l'habitude de faire personnellement quand j'ai certaines personnes avec qui j'ai eu des échanges intéressants dans le cadre de ces ateliers, justement, où j'envoie un message derrière sur LinkedIn parce que voilà, c'était intéressant d'échanger. Et peut-être que derrière, on aura plus de choses à se dire hein, sur les enjeux de l'entreprise ou de la personne qui s'est rendue à notre événement. Donc, on booste leur opportunité de générer du business. Le plan d'action, il est plutôt simple. Hein. On identifie les forces commerciales activables et derrière, on les anime régulièrement avec des outils que vous voyez ici. On est un petit peu plus précis sur le social selling, qui va être vraiment la discipline qu'on va les encourager à travailler. Donc, on leur explique le rôle, on leur explique la manière de procéder. On active aussi pour certains toutes les logiques plutôt sales navigator qui vont être intéressantes hein, pour aller détecter des profils et être véritablement dans une logique plutôt commerciale. Et derrière, toujours, j'entretiens la mobilisation avec des sessions de coaching réguliers et du contenu à partager. Alors, j'ai mis prêt à poster parce que voilà, c'est des socles intéressants desquels on part. Mais l'idée au maximum, c'est d'essayer d'encourager hein, vos profils à créer leur propre contenu. Les partenaires et clients, donc là c'est la typologie de profil, on va dire, la plus compliquée à activer, mais qui va être la plus facile à mettre en avant. Et donc comment est-ce que je vais y arriver? Donc je vais encourager la prescription par le témoignage. Étape 1, donc là j'essaye de leur partager un maximum de guidelines pour qu'ils prennent la parole assez facilement et que derrière ça ne soit pas non plus trop chronophage pour eux hein, dans l'effort. Étape 2, j'essaye aussi d'être dans une logique de co-construction et de valorisation conjointe en créant du contenu co-signé hein, dans le cadre d'événements ou de temps forts qui peuvent profiter finalement aux deux entreprises. Et derrière, j'encourage toujours mes collaborateurs. Logique de paid. Merci Marie. Merci Olodi. Je t'en prie. Maintenant, je veux parler de paid. 25% du budget au plus. Et après ça, on affine notre audience avec des listes AB1, on choisit des secteurs, des postes particuliers pour générer des clics et des visites du site web. Et c'est la phase de considération.
où on recommande des GIFs ou des vignettes parce qu'ils sont plus efficaces avec les clics que les vidéos. Et finalement, l'étape la plus importante en B2B, on utilise LinkedIn pour générer des clics, des leads. Donc, dans cette étape, on affine notre audience au max avec du retargeting, des audiences similaires. Retargeting, par exemple, on cible les gens qui ont vu notre vidéo dans la première étape à 25%. Et comme ça, on peut générer des leads qualifiés, toucher les audiences les plus intéressées. Et on recommande ici des formats comme vignettes, conversation ads et document ads. Et finalement, dans les best practices, comment on gère notre campagne? Comment on sait que la campagne est à un succès ou non? Il y a beaucoup de chiffres dans le trading. Il y a deux types de chiffres. Il y a les coûts et il y a les taux. Les coûts, il faut avoir des coûts inférieurs à la moyenne du marché. Et chaque année, LinkedIn nous donne des benchmarks, des moyennes du marché, par exemple ici en Europe ou dans chaque pays ou dans les secteurs. Et par exemple, on essaye d'avoir des coûts inférieurs à la moyenne du marché, comme par exemple pour avoir plus d'impressions avec des coûts inférieurs. Donc, on a notre benchmark de 2022, on compare et comme ça, on sait que la campagne marche bien ou non. Et même chose avec les clics. Et on fait des optimisations pour économiser notre budget, pour avoir des coûts économiques. Et pour les taux d'engagement, il faut que ça soit supérieur à la moyenne du marché. Et comme ça on trade avec les chiffres. Comme ça, on mesure et on suit notre campagne. Et pour les leads, c'est le plus important. Pour avoir plus de leads, il faut économiser notre budget, il faut avoir des prospects à des coûts minimales. Même chose pour les vidéo views et pour le taux de vues. Maintenant, je veux parler des quelques nouveautés introduites en 2023. Donc, LinkedIn Audience Network. Qui a dit que les publicités de LinkedIn sont juste sur la plateforme, ils sont visibles ailleurs et nous pouvons désormais diffuser les annonces sur les sites web qui sont les partenaires de LinkedIn. Et on peut choisir ces sites, par exemple des sites de business, de news, de luxe ou de sport. Et comme ça, on peut élargir notre audience et toucher nos utilisateurs qui ne sont pas toujours actifs sur LinkedIn. Mm-hmm. On peut le toucher par exemple sur BFM Business. Et ça nous aide à combiner la finesse du ciblage de LinkedIn avec la possibilité d'atteindre l'utilisateur sur d'autres sites. Après ça, les conversation ads. En Europe, on ne peut plus utiliser les message ads parce que les réglementations GDPR protège les audiences et leurs données. Donc, on ne peut pas envoyer des messages directement. Donc, ils ont introduit un nouveau format qui permet à l'utilisateur de choisir à recevoir un message, participer à la conversation ou non. Donc, il s'appelle Conversation Ads. Et dans ce type de format, on peut avoir des appels, on peut avoir des call to actions comme télécharger le formulaire, visiter le site web, etc. Et pour le document ads, c'est un nouveau format dans les publicités. Vous pouvez désormais télécharger votre présentation, fichier PDF directement dans la publicité. Et dans ce format, le post c'est comme un slider. On peut visualiser de 1 jusqu'à 3 slides de notre présentation, de notre fichier, et donner le choix à l'utilisateur de télécharger l'e-book ou la présentation en partageant leurs leads, leurs informations. Et finalement, les GIFs. J'aime trop les GIFs, je les utilise partout. Et vu qu'on peut les utiliser comme publicité, c'est très efficace. On a utilisé la même chose avec notre client CME.
C'est très efficace, ça combine la capacité de la vidéo d'attirer l'attention de l'utilisateur, mais en même temps, c'est efficace pour obtenir des clics. Et c'est comme un Pokémon Evoli vidéo avec des vignettes. Donc, c'est ça pour les nouveautés. Je veux parler vite fait des success stories. Je sais qu'on a faim. Et, il y a trois exemples pour expliquer les nouveautés et notre stratégie, notre manière de trader. En fait, avec notre client Waters EMEA, et, c'est un fournisseur des équipements et des machines pour les laboratoires. Donc notre stratégie ici, le funnel, on a commencé par la notoriété et on a fini avec la phase d'acquisition pour avoir des leads. Les pays sont autour du monde, la stratégie notoriété pendant un mois avec des vidéos. Et on a fini avec une phase de génération de leads pendant 2 mois. Le ciblage, on a passé de plus large jusqu'à plus étroit, avec du retargeting de video views, les gens qui ont vu notre vidéo dans la phase noto à 25%, et les gens qui ont visité notre site web. Donc on a touché les gens qui sont vraiment intéressés à notre campagne. Et les résultats, 200 leads avec environ 14 € coût par lead qui est inférieur à notre benchmark, le benchmark de LinkedIn. Donc comme ça, on savent que la campagne a bien marché, on a économisé notre budget. Et voilà un exemple d'un vignette qu'on a utilisé pour générer des leads. C'est direct avec call to action, download. On a mentionné le resource kit qui est le contenu de haute qualité. Et voilà. Et autre que ça, je veux passer vite Headhunting Factory à notre client. On a utilisé stratégie de retargeting et de lookalike. Les pays en France, stratégie noto, même chose funnel jusqu'à génération de leads. Ciblage de plus large jusqu'à étroit. Et on a eu avec ce funnel, avec cette stratégie, 90 leads avec un coût par lead inférieur à la moyenne du marché. Et finalement, Protis, notre cher client, on a A/B testé avec le nouveau format comme Document Ads et Conversation Ads. Et on a utilisé des listes ABM au début. Ciblage, c'était plus affiné. On a utilisé après les listes ABM Retargeting Video Views. On a eu des leads avec des coûts inférieurs à la moyenne. Et voilà un exemple de Document Ads qui a été créé par notre équipe studio à l'agence. Donc, merci beaucoup. Et Marie, si tu veux dire quelque chose. Tu peux rester avec moi. Oui, bien sûr. Donc, non, on était ravis de vous accueillir aujourd'hui, hein, pour partager avec vous hein, toute notre expérience et notre savoir-faire. Donc, pour les questions et réponses, ceux qui sont avec vous, on pourra les traiter pendant le déjeuner. Pour les autres, n'hésitez pas à nous contacter. Hein. On a parlé beaucoup de LinkedIn, donc je pense que tous les trois, on est assez actifs sur la plateforme. Donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous hein, pour qu'on puisse discuter. Et dans le cadre hein, de cet atelier, on a notamment pensé une offre un peu flash de diagnostic hein, sur LinkedIn de votre marque. Et donc, on est capable de vous accompagner sur caractériser la performance de votre écosystème, vous donner des insights sur votre mix éditorial, la tonalité, l'editing des publications et travailler avec vous finalement votre roadmap à venir pour voir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour progresser davantage. Donc voilà, je vous remercie à tous pour votre attention et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à tous. Merci. Merci.